Eh bien, bonjour à tous, c'est Raik et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Dynamite mes cacahuètes. Eh oui, Devil May Cry les enfants, oui j'aime bien faire un petit jeu de mots comme ça, ça me fait marrer. Donc on avait commencé le jeu la dernière fois, on avait juste fait la première mission et là-bas écoutez, on va tout de suite enchaîner avec la mission 2 à le juge de la mort. Ça a l'air fort sympathique, dites-moi. Ouvrez la porte de la cathédrale, et bah écoutez, c'est parti, début de la mission. Ah oui, direct. Ah bah bien sûr, ah bah allons-y. Ah bah tout de suite. Eh bah écoutez, ah ouais, non mais d'accord, ok, non mais direct les enfants. Les gens, ils ont pas le temps. Eh bah... Ah non mais, l'autre derrière là. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Il y en a un qui m'a tiré dessus, vous vous foutez de moi. Oh la vache. Allez. Ah. Allez. Non mais. Oh, c'est pas vrai. Allez. Full camp. Non mais. Bon alors, juste avant qu'on démarre réellement l'épisode, justement, j'ai un petit détour à faire. Non mais alors écoutez, ça va pas se passer comme ça. Voilà, il se trouve que j'ai un petit détour à faire. Quelqu'un m'a dit que j'avais oublié une sphère, un fragment de sphère bleue dans l'épisode précédent. On va aller le chercher tout de suite. Ça nous fait pas faire un gros détour. Je vois très bien où est-ce qu'il est. Donc ça nous fait pas faire un gros détour. Donc écoutez, on va y aller tout de suite. Tac, tac, voilà, on se calme, voilà, tranquille. Alors, normalement, il est juste là. Ah bah, parfait. Voilà, parfait, nickel. Et du coup, ça nous permet d'augmenter notre vie. Et ça, on prend. Et en plus, on est rechargé, c'est parfait, ça. Allons-y. Tac, bon, ok, alors, écoutez, lui, hein. Voilà, il va se calmer. Merci bien. Voilà, un peu de thunes, ça fait toujours plaisir. Oui. C'est la fête là, il y en a encore qui se réveillent en bas là. Non, c'est bon, il y a personne. Tac, voilà. Si jamais il y a quelqu'un qui se réveille, écoutez, hein, il est très bien là où il est. On va pas s'emmerder. Tac, et on y retourne. Voilà, désolé, hein, c'est petit détour. Bon, on aura pris quoi? On aura pris une minute à tout casser, hein, ça va, vous allez pas me les briser non plus. Tac. Voilà. Oh, les revoilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous. Oh. Tiens. Allez. Non, mais. Oh, là, je vous jure. Eh ben. Oh, allez. Oh la vache. Prélever les impôts, c'est plus que c'était les enfants. Ah ouais, c'est devenu complètement un métier à risque. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait une porte ici. Donc avant de se les ressaucer pour la troisième fois. Bonjour madame. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un shop. Très bien. Alors attendez. Ah, bah parfait ça. Moi qui voulais juste aller récolter un peu de thunes. Visiblement ça c'est la zone safe. Très bien, ah bah voilà un peu de thunes. Très bien ça. Ok, bon bah écoutez, allons-y. On y retourne. Personne? Juste au cas où. Bon, allons-y. Tranquille, hein. petite foulée. Pépère. Personne, hein. On est sûr. Personne débarque. Je m'inquiète. Non. Allez. Ah, voilà, je me disais aussi. Ah, bien joué. Allez, tiens. Allez, hop. Parfait. Putain. Ah mais... Ah, je sais pas ce qu'il foutait lui. Ah, un peu de vie, ça c'est cool ça.
Oh la vache, mais ils sont nombreux, c'est pourri. Non mais il y en a combien qui débarquent comme ça? Les gars, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Il y en a beaucoup trop, les gars. Oh les... Pouh, le fusil. Il y en a un qui a un fusil, mais vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que tu fous avec un fusil, toi? Ces armes-là ne sont pas autorisées. Wow. Aïe, 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 aïe. Je me casse, c'est bon, on a compris. Je me tire. Non, mais... Juste au cas où, hein. Prenons un peu nos distances. Ouf. Ah, parfait, un peu de vie. Très bien. Bon, bah, finalement, ce sera passé. Fouf. Eh, ben... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la sculpture d'une femme qui souffre. Voilà, un peu une épée plantée dans le bide, ta femme. Une épée dans la poitrine. Un instant, j'entends une voix. Qu'est-ce que... Les faibles te donneront le cœur et ne... J'ai pas eu le temps de lire la suite. Wow, qu'est-ce que... Oh. Ah, c'est la deuxième fois qu'on me plante avec une épée en... Et en plus, il y a de la foudre au passage. Je commence à en avoir marre. Et on se relève. Oh, quelques petits assouplissements. Oh, ça fait du bien à la colonne. Allez. Tout va bien. Je fais ça tous les matins. Et rien dans le manteau. C'est ça qui est bon. Viens là, toi. Et ouais, les gars, il n'y a pas que Link qui peut tirer une épée légendaire. Les mecs, j'ai vu Merlin l'Enchanteur. Je sais que je peux le faire aussi. Et j'ai vu Avenger aussi. Donc, je suis prêt, les armes qui font de la foudre. Ça n'a aucun secret pour moi. Bien joué, tu les as tous ratés. Ok, alors, nouvelle arme. Alastor confère à son utilisant une vitesse remarquable et des capacités aériennes. Intéressant. Ah, ça va plus vite déjà, effectivement. Et ça a l'air de taper plus fort. Et alors là, juste en dessous de ma barre de vie, il y a trois petits symboles. Donc ça, ça va être intéressant pour plus tard. Je vous expliquerai. Alors, la bibliothèque. Bonjour. Alors, attendez. Voyons voir ce qu'il y a là-haut. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela ? Une faucheuse ressemblant à un diable est représentée. Fois, nous ne sommes pas là pour juger les artistes. Une clé est incrustée, dois-je la prendre? Bon, oui, oui, toujours, toujours. Une clé rouillée, et ben c'est parti. Très bien. Là, ici, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là où je peux que je peux casser là pour récupérer un peu de thunes? Rien ici. Ah, une table, ça c'est. Qu'est-ce que. Il y a un truc qui brille. Oh bébé. Oh ça c'est bon ça. Alors attendez, 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 les gars, vous me donnez une nouvelle arme. Je vous en prie, faisons connaissance. Utilisez, oui. Oh. Le fusil, les enfants. Regardez-moi ce bijou. Oh ça va être bon ça. Je sens qu'on va bien se marrer. Bon bah écoutez, on aura tout gagné hein, mine de rien là. Nouvelle arme à feu, nouvelle épée. Alors. Il n'y a pas.
n'y a pas de livre intéressant ici. Ok, bon bah écoutez, hein, je crois que j'ai fait mon shop. Je crois que j'ai fait mon shop. De toute façon, il me reste encore une pièce à vérifier. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est ici que ça se passe. Ah bah parfait, vous avez utilisé la clé rouillée. Très bien. Alors, bonjour. Ouh la vache. Ah bah voilà, allez, tiens, ça dégage. Tiens. Voilà. Tiens. Voilà les gars, là on parle là. Qu'est-ce que tu veux toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Tiens. Ouh, bien joué. Tiens. Non mais. Alors, nous disions. Tac. Voilà. Oh, ça va aller vite. Hein. Tiens. Oh là là. Et ce fusil, je vais le kiffer. Eh, deux coups de fusil à bout portant, le mec est mort. Parfait. Dégage. Oh là, c'est comme ça qu'on parle ici. C'est comme ça qu'on collecte les impôts, ma biche. Voilà. À grand coup de fusil. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le Texas, les enfants. On apprécie, tiens. Deuxième amendement, mon gars. Non, mais... Allez, par contre, les gars, vous commencez à être nombreux. Tiens. Ah, bah, tout de suite... Oh, bien joué. Bien joué, il me l'a balancé en plein dans le bide, sa connerie. Tiens. Est-ce que je peux... C'est pas vrai! Ils viennent à l'infini, c'est pas possible! Arrête! Vous faites chier! J'ai vu un truc qui brille là. Non, bah ça devait être moi. Ah! Hasta la vista! Baby! Ah, tiens! Ça vient encore? Ça vient encore, hein. Bah écoutez, tiens, tenez, voilà. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu. Donc voilà, les trois espèces de petites lettres, là. C'était donc ça. C'est le pouvoir démoniaque. Oh bah parfait. Le pouvoir démoniaque qui me permet du coup, bah, et d'une, de taper plus fort, d'être plus rapide, et de récupérer un peu de vie. Donc ça... C'est fort agréable. On récupère du pouvoir démoniaque. Hein, désolé, j'ai pas d'autres mots. On récupère du pouvoir démoniaque en... Oh, attendez. J'ai vu de la thune. En donnant des coups, donc en combattant. Waouh! Alors, attendez. Ça m'envoie des trucs de là-haut. J'arrive, les enfants. Bougez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah bah oui, vous êtes là. Eh ben bonjour, les enfants. Tenez, voilà, et de 1, et de 2. Eh ben on a fini. Parfait. Très bien, il y a quelque chose ici. Alors c'est parti. Waouh. Eh mais décidément, mais vous êtes combien dans ce château? Aïe. Allez, ah bah tout de suite, hein. On sent que ça va beaucoup mieux dès l'instant où on a des vraies armes. Ok, alors, il y a quelque chose de gravé sous l'ouverture, c'est ici que les âmes guidées, machin, ok, si tu veux. Très bien, alors, ici, ah bah d'accord, ok. Très bien, allons-y. Donc ça, il faut repousser et ça nous ouvre la trappe. La trappe qui ne veut pas s'ouvrir. Ah bah si, voilà, ça y est, il suffisait d'attendre un petit peu. D'accord. Jusque là, ok. Alors, bâton du jugement. Bâton qui brille d'une lumière mystérieuse. Très bien. Qu'est-ce que... Ding! Rez-de-chaussée. Parfait.
Ah, on est dans la bibliothèque. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que... Oh non, me dites pas que c'est encore les gars. Bonjour madame. Oh la vache. Oh bordel. Oh là là. C'est pas rassurant du tout. Ok, alors, où êtes-vous? Tiens, 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 oh là là! Que vous avez de grands ciseaux! Oh, ah, oh, parfait ça! Oh, il semblerait que vous n'ayez pas le fusil! Eh bah écoutez, au menu aujourd'hui, régime riche en fer! Ou dirais-je plutôt riche en plomb! Allez, inutile de vous cacher dans les murs, madame! Je vous attends. Tiens, tiens, tiens. Non, mais. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Tac. Bon. Ouh, ça rigole, ça rigole. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Est-ce que j'ai tout eu? Non, il en restait encore une. C'est bon, on a fait le ménage? Parfait. Qu'est-ce que... une sculpture du juge de la mort. Ah bah le voilà. Très bien. On dirait qu'il manque quelque chose au juge. J'utilisais cet objet, le bâton du jugement. Eh bah écoutez, le bâton du jugement pour un juge, je pense qu'on est bon. Bah parfait, mission terminée. Excellent. Excellent, excellent. D'accord, donc 211 sphères. Très bien. Rancé. Bon. Alors ça par contre, je ne sais pas du tout ce que représentent les lettres. Je n'ai jamais été noté avec des lettres. Donc je ne saurais pas vraiment sur 20 ce que représente le C, le B, le A. Donc, bah écoutez, je dirais que rang C, c'est la bonne moyenne. Bon, bah écoutez, sauvegardons. Mission 2 terminée. On a encore un petit peu de temps, j'ai pas envie de couper l'épisode tout de suite. Donc écoutez, on va encore se faire une mission ensemble. Mission suivante. On va encore s'en faire une, hein, suivant le temps que ça prend. Alors... Destructeur d'ardeur. Eh bien, surmontez l'épreuve et vous gagnerez la fierté du lion. Très bien, mais alors avant ça, voilà. Là par contre, je peux aller acheter des capacités avec Alastor. Donc il fallait que je débloque Alastor pour avoir des capacités. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, le double saut qui vaut 4000. Ça, on apprécie. Bah écoutez, la seule chose que je peux acheter, c'est le Stinger. Et ça, si je me souviens bien, c'est plutôt pas mal. Voulez-vous utiliser là, pour acheter cette compétence? Oui. Oh, par contre, le Stinger niveau 2, hein, il coûte la peau du cul. Très bien. Vous voyez, écoutez, on a Stinger niveau 1, quittons. Par contre, ils n'expliquent pas comment l'utiliser. Donc j'espère que c'est pareil que dans les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, déjà, ça commence, vous vous foutez de moi? Ah bah d'accord. Bon, bah écoutez, alors attendez, le Stinger. Ah si, c'est bon. Ok, donc voilà, donc c'est ça le Stinger qu'on a eu. Donc il faut aller, alors il faut verrouiller, aller vers l'avant et appuyer. Donc ça au moins c'est bien, ça j'aime bien. C'est une capacité que j'utilise beaucoup. Donc, on commence petit à petit à retrouver un temps qu'on connaît et qu'on maîtrise. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Un message est écrit, la fierté du lion est accordée à ceux qui s'engagent sur le chemin des épreuves. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow! D'accord.
D'accord. Et donc? Un message, un fierté, un d'accord, ok. Bon, ça vient. On a compris. Allons sur le chemin des épreuves, puisqu'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Bonjour. Waouh. Alors ici, vous avez derrière une bâtisse très pittoresque datant du au moins, je dirais, 16e siècle après Jésus-Christ, bien sûr, sur son pont qui ne tient plus debout que par l'opération du Saint-Esprit, on se le dit bien. De la thune, ça me plaît, ça. Ouh, beaucoup de thunes. Allons-y, perceptons. Nous sommes là pour ça. Alors attendez, qu'est-ce que ce truc? Ce symbole ressemble au bâton d'Hermès utilisé en alchimie. Très bien. Je sens une force mystérieuse. Mais... je n'arrive pas encore à comprendre. Écoute, on n'est pas là pour essayer de comprendre. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Bonjour. Le message dit « Retourne au chemin et tu quitteras ». Je quitterai quoi? Ah, l'abîme avec un cœur de lion. Tu recevras la fierté du lion. Vous êtes chiant. Bon, très bien, donc super. Il faut retourner dans la salle, si j'ai bien compris. Putain, les gens sont pas la moitié des emmerdeurs, hein, croyez-moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Jésus, est-ce vous? Ah non. Je me croirais dans un mauvais sketch de Looney Tunes. Qu'est-ce que... Ah, je perds ma vie. Ah non. Ah non. Ah non, mauvaise. Voilà, je voulais accélérer un petit peu. Qu'est-ce que. Ah bonjour. Ah bonjour, non, repoussez. Non, vous reculez, j'ai dit. Reculez. J'ai un fusil. Et comme vous avez pu le voir, je n'hésite pas à faire feu. Recule. Tu recules. Reculez. Non, arrière, vous me plaisez pas, vous n'êtes pas à mon goût. Tac. Oh la vache. Eh ben. Ah, nous voici donc à la surface. Tout va bien. Oh la vache. Eh ben. Si j'avais su ça à l'école. Heureusement qu'on m'a entraîné à manier les armes et les épées. Hein. Comme tout bon percepteur des impôts qui se respecte. D'ailleurs, je me demande bien quelles études il faut pour être percepteur des impôts. C'est vrai que je me suis... j'ai jamais fait gaffe. Alors... la fierté du lion, signe de force qui permet d'affronter le lion gardien du portail. Ouais, bah c'est super, on va se taper un lion. Ah! Ah, bah quelque chose me dit que le lion est pas très loin. Ah! C'est pas vraiment un lion! Ou alors, faut que je revoie toute ma zoologie. Bonjour! Que vous avez de grandes mandibules? Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez un peu du feu dans votre corps. Vous savez, c'est pas la taille qui compte, madame. Big surprise. I hope for your sake you got something inside that big body of yours. Eh ben. Ouh la vache. Non, je crois qu'il fallait pas la mettre en colère. Elle a pas l'air amicale, la truc. Wow. Ok. Aïe. Aïe, très bien, vous voulez jouer à ça, madame? Comment ça se fait que je ne la touche pas? Aïe! Attendez, pousse! Est-ce que je peux utiliser ça? Parce que ça, c'est un boss.
Donc quelque chose me dit que... Aïe, 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 aïe. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ah, oh, je me fais tirer dessus. Où est-elle? La caméra, Capcom, au secours. Qu'est-ce que... Wow, 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 wow. Aïe, 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 aïe. Les gars, Capcom, au secours, je n'arrive pas à la toucher. Wow. Aïe, aïe. Est-ce que j'en ai une autre? Je n'en ai pas, merde. Souvenir de la merde, 3 mains ont gravé, on s'en fout. La fierté du lion, on s'en fout. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Au pire, on cramera un continu. Écoutez, nous ne sommes pas à ça près. Wow. Wow, 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 je me fais saucer. Récupérons un peu de vie, récupérons un peu de vie. Nous sommes très, très lâches. Aïe, 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 aïe. Je ne vois pas sa vie. Je ne vois pas sa vie à ce truc. On l'a eu? Non, non, on l'a pas eu. Ah, non, 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 non. Ah, je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Oh, 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 oh. Je ne sais même pas où est-ce qu'il en est au niveau de sa vie. Waouh, où en est ma vie? Je vois plus rien. Caméra de merde, Capcom de merde, jeu de merde. Oh, je t'ai eu. Oh, je t'ai eu, saloperie. J'ai rien compris. J'ai rien compris de ce que j'ai fait. Mais écoutez, c'est validé. Il me reste zéro vie, mais tout va bien. Oh, tout parfait. Ah, je me casse d'ici. Ça fait bobo. Oh, excellent. Ah bah, mission somme toute très courte. Mais écoutez, prise avec grande joie. Oh la vache. Rancé encore. Et bah, au moins, on tient notre moyenne. Ça fait plaisir. Oh la vache. Ah. Ah bah, écoutez, je pense qu'on a bien mérité cette sauvegarde. Et cet épisode pourra s'arrêter sur une victoire. Victoire dont je n'ai rien compris. Hein. La panique était totale. Hein. La panique était totale, les enfants. J'espère que ça vous aura plu. Bon, bah écoutez, moi je vais aller compter mes dents déjà. Ça pourrait être une bonne chose. On a sauvegardé là? Attendez, attendez, attendez. Je ne suis pas sûr, donc allons-y. Sauvegarde 3, sauvegarde 4. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Au moins, c'est fait. Bon, bah écoutez. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous, ciao.